Yo yo la famille, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Moi je me présente, c'est Ngeka Maxime, jeune CEO. J'ai créé cette plateforme dans le but de partager mes connaissances, mes passions et pourquoi pas mes expériences parce que voilà, ça fait pas mal de temps que je réside ici du côté de la Belgique et j'ai fait pas mal de choses, j'ai côtoyé pas mal de gens et j'ai été dans pas mal d'endroits. Et je me suis dit, autant mieux créer une plateforme, vu que j'avais pour habitude de travailler via mes comptes privés, je me suis dit, autant mieux créer une plateforme dans le but que ça profite à un maximum de personnes. J'ai été gravement surpris par ma vidéo de présentation. J'ai eu énormément de retours. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à faire plus de 10 vues. Je me disais que c'était juste les gens proches de ma famille qui auront accès à la vidéo. Mais à ma grande surprise, la vidéo a grave tourné et je suis énormément, énormément surpris personnellement et mon équipe aussi. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous exhorte à aller voir la vidéo et à continuer à partager parce que voilà, ouais, il faudrait que ça circule et que ça profite à un maximum de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent venir étudier en Belgique, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients. Mais sur cette plateforme, mon but, mon objectif premier, c'est vous donner les possibilités, donc c'est-à-dire les avantages, les motivations, afin que vous puissiez, selon vos orientations, selon vos exigences, faire votre choix de vous-même. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 atouts. Tchis! Voilà, le premier atout pour ceux qui souhaitent venir étudier ici en Belgique. Sachez que c'est possible de faire son dossier de soi-même sans besoin de passer par une agence de voyage ou bien passer par un intermédiaire via la connexion Internet, un téléphone. Tu peux toi-même faire ton dossier. Il suffit juste de connaître la procédure. Et bientôt, je vous enverrai une vidéo complète de toute la procédure. Les choses sont en plein montage et bientôt, je vous enverrai la vidéo complète de toute la procédure de A à Z. Et vous pouvez vous-même faire votre propre dossier. Et c'est le but en fait de cette plateforme de vous permettre à être autonome et à vous développer de vous-même. Et aussi l'avantage de faire son dossier de soi-même, ça te permet d'avoir le choix sur la ville dans laquelle tu souhaites fréquenter, le choix de l'école, le choix de la filière. Donc la possibilité de faire son dossier de soi-même, c'est un gros, gros atout, c'est un gros avantage. Et de deux, le deuxième atout, c'est que les frais des démarches administratives sont très très peu coûteux, du moins ne coûtent pas cher. La preuve en est, contrairement à d'autres pays où il faut verser une caution, ici il n'y en a pas de caution. Et aussi, sachez qu'il y a beaucoup d'enfants de pauvres qui résident, qui ont eu l'opportunité de venir étudier ici en Belgique. La preuve en est, je suis devant vous, je suis un enfant de pauvre et j'ai pu avoir cette opportunité de venir étudier. C'est pourquoi voilà, je souhaite que ça soit accessible à un maximum de personnes. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un miracle, c'est accessible à tout le monde. Que tu sois enfant de riche ou enfant de pauvre, cela est possible de monter ton dossier et de poursuivre les démarches administratives et de venir étudier en Belgique et de profiter de tous les avantages que procure la Belgique. Et le troisième atout, c'est le fait que la Belgique est membre de l'espace Schengen. J'ai écouté pas mal d'histoires et j'en connais aussi des gens que pour être sur le territoire Schengen, ça n'a pas été facile. Ils ont fait des escales, ils ont été dans d'autres pays, ils ont été dans d'autres endroits et ça a pris beaucoup d'argent et ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver ici. Aussi, il faut savoir que lorsque tu arrives ici, il faut s'adapter, ça prend du temps. Et le quatrième atout, il faut savoir, c'est la facilité de s'intégrer pour les Africains. Pas que pour les Africains, parce qu'on dit étranger. Et un Français, c'est un étranger en Belgique. Un Suisse, c'est un étranger en Belgique. Mais sauf que voilà, pour ceux qui viennent d'Afrique, c'est plus facile pour eux de s'intégrer parce que, pour la petite histoire, ça fait depuis 1960 que beaucoup de pays africains ont eu l'indépendance. Donc, depuis 1960 jusqu'en 2020, il y a eu beaucoup d'immigration, il y a eu beaucoup de déplacements. Du coup, ça fait qu'il y a une forte communauté africaine déjà installée ici. Et pour ceux qui souhaitent être des conservateurs, c'est-à-dire vivre africain à 100%, parce que voilà, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a des magasins typiquement africains, comme ça se passe au pays, dans vos pays d'origine. Si vous êtes un conservateur, c'est-à-dire vous êtes réfractaire au changement,
Voilà, vous ne serez pas dépaysé. Et si vous souhaitez aussi vous ouvrir, il y a plein de communautés qui sont installées là. Et aussi, il y a des Belges qui sont là. Donc, c'est facile de s'intégrer. Le cinquième atout, en Belgique, on parle français. Donc, c'est-à-dire, la Belgique fait partie de la francophonie. Voilà, la Belgique aussi, on parle français. On ne parle pas que français. Il y a le flamand et l'Allemagne. Voilà, mais il y a une partie, une forte partie, la Wallonie qui parle français. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'Afrique, c'est une plus-value vu qu'il n'y a pas les coups de langue à apprendre. C'est possible juste après ton bac, tu peux continuer ici sans toutefois faire les coups de langue. Et même ceux qui veulent faire un master ou le doctorat. Et sachez aussi, pour la petite information, il n'y a pas que les francophones qui ont accès aux études ici en Belgique. Du côté anglophone, il y a beaucoup de Ghanéens ici, il y a beaucoup de Nigériens qui sont installés ici. La plupart sont à Anvers et qui ont eu aussi la possibilité de venir étudier ici. Il y a des écoles, il y a des universités agréées, adaptées à ceux qui souhaitent faire la section anglophone. J'ai juste souhaité faire les cinq atouts majeurs qui me sont venus à l'idée. Parce que voilà, il n'y a pas que les atouts, il y a aussi les inconvénients. Je suis ici pas pour vous donner des inconvénients parce que nos vies privées sont déjà assez compliquées comme ça. Je suis ici juste pour vous motiver, pour vous donner les opportunités, les avantages de venir étudier ici en Belgique. Donc voilà, sachez que venir étudier ici en Belgique, c'est accessible à tout le monde, même à ceux aux démunis, aux enfants de pauvres, aux enfants de riches, parce que voilà, je suis un enfant de pauvre. Voilà, la famille, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai souhaité ne pas être long parce que voilà, ce sont les fêtes. Il faut que voilà, vous profitez de vos familles, de vos proches. J'ai vraiment été ravi de vous revoir et j'ai aussi apprécié le fait que voilà, ma vidéo de présentation, elle a assez tourné. J'ai eu énormément de retours. La famille, je suis grave, grave, grave ému. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas. Mais continuez à partager et partagez aussi celle-ci. Abonnez-vous à mes réseaux parce que voilà, comme j'ai dit, la suite, elle va être sale, elle va être sale, elle va être salée parce que voilà, on est là pour partager. Voilà la famille, à la prochaine. Abonnez-vous à mes réseaux. C'était Ngeka Maxime, jeune CEO. Ciao. Tchou!